Bonjour tout le monde. Alors donc aujourd'hui, petite vidéo dessus mon réalité. Alors donc, on va commencer par ma chambre. Oui, je sais, ça fait très différent sans clous des cadres, mais c'est ça. Alors donc, bon, ok, si vous me demandez pourquoi mon bureau est dans ma chambre, c'est parce que finalement, il n'y aura pas de bureau. Parce que vous allez voir au fil de cette vidéo là, vous allez voir que tout ça, on va se rendre. Bon, ici, ça c'est le salon. Également, le balcon dans la pente. Le printemps prochain, j'ai prévu de faire avec ces bacs-là un projet d'agriculture urbaine. Bon, quelque chose de prévu enfin pour l'année 2018. Et là, j'étais les fesses dans le moustiquaire et j'ai risqué de le briser. Et je pense pas qu'on fabrique plus ces portes-là. Fait que ici, c'est l'allée. Les placards. Ici, la salle de bain, très rose, très fashion. Et vous me demandez d'où provient cette lumière-là. Ça provient d'un puits de lumière. Et la célèbre pièce qui devrait être mon bureau, finalement, ça sert à entreposer, bref, toutes nos affaires, puis en particulier plus les outils à mon père. Ok, ça c'est la chambre à mon père, ça on n'ira pas trop dans les détails. Ici, la cuisine. Et si vous me demandez pourquoi il n'y a pas de laveuse, inquiétez-vous pas, on en a une. C'est juste parce que elle est ici. C'est très mal pensé. Parce que moi qui étais habitué d'avoir une laveuse puis une sécheuse voisine. Et également, triste réalité de nos meubles. Le frigo ne rentre pas en dessous des armoires, fait qu'on perd environ 3 armoires dans la cuisine. Et on va terminer cette vidéo par l'arrière. Bref, les quartiers tranquilles typiques montréalais. On a un barbecue, mais il fonctionne pas, là. Peut-être qu'un jour, mon père va le nettoyer, puis on va réavoir des bons hamburgers sur le charcoal. Oui. Fait que c'est un petit peu ça. Mon réalité actuellement. Fait que, bye!